aurons toutes ces informations durant cet après-midi, durant cette édition spéciale. Je vous le dis, deux émotions finalement se mêlent, l'émotion lors des questions liées à l'enquête et puis aussi l'émotion tout simplement au lendemain d'un choc. Et je vous le disais, pour ouvrir cette édition spéciale, beaucoup de monde, notamment dans le quartier de la Bourse à Bruxelles, Laurence Brex, vous êtes sur place, il y a beaucoup de simples citoyens, des touristes aussi qui viennent témoigner de leur soutien et puis aussi plusieurs personnalités politiques. Absolument, elles sont rassemblées pour le moment à côté de nous. Alors, monsieur Magnette, c'est quoi? C'est l'émotion qui vous fait venir ici aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a eu à Namur, comme partout ailleurs, une minute de silence de toutes les administrations, de l'ensemble du gouvernement. Le Parlement de la communauté française vient aussi de rendre un hommage, mais je pense que pour les autorités politiques, venir simplement se recueillir un instant, déposer quelques fleurs comme des dizaines de milliers de citoyens anonymes le font, c'est aussi partager notre émotion et nos blessures dans ces moments. Et puis, symboliquement, le fait que tous les gouvernements ou à l'ombre ces lois flamandes de la communauté soient réunis, c'est aussi symboliser cette unité du pays dans ces heures très douloureuses. Est-ce qu'elle est réelle, cette unité, en dehors de ces heures extrêmement douloureuses que nous vivons maintenant? Mais c'est peut-être justement dans ces heures douloureuses qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus en commun, peut-être qu'on ne s'en rend compte à d'autres moments, et qu'on a ces valeurs de paix, de tolérance, de sens du compromis en commun, et qu'aujourd'hui c'est précisément tout ça qui est mis en cause par le terrorisme et que donc on veut réaffirmer avec force. Monsieur De Motte, vous êtes là ici aussi aujourd'hui. C'est important de montrer que justement on peut encore se rassembler en groupe à Bruxelles malgré ce niveau 4, la sécurité est assurée. Alors que certains souffrent maintenant dans leur chair, sont dans leur lit d'hôpitaux, d'autres ont perdu des membres de leur famille, des collègues, on pourrait décider de baisser les bras. Et je pense que notre présence ici, c'est d'abord le témoignage d'une volonté de résilience. On ne veut pas se laisser faire, on ne veut pas laisser place aujourd'hui à ceux qui veulent nous terroriser. Quel est votre message aux Bruxellois qui ont peur? Mais d'abord que la vie continue, elle trouve son chemin, les institutions se réunissent, les écoles fonctionnent, les transports en commun progressivement retrouvent le cours de l'usage quotidien, et puis ben, c'est ça qui passe comme message, et que la vie a sa place dans toutes les circonstances avec nos valeurs. Merci pour votre présence. Alors voyez, c'est une ambiance très très particulière ici, place de la Bourse. Il y a des gens qui chantent, très joliment d'ailleurs, des politiques qui viennent déposer quelques fleurs, beaucoup de citoyens et beaucoup de médias ici. C'est très particulier et quelque part c'est tout à fait Bruxelles en concentré qui est ici réunie sur cette place de la Bourse. Merci Laurence, nous reviendrons régulièrement vers vous pour ressentir un petit peu l'ambiance qui règne donc là du côté de la Bourse dans le centre de Bruxelles où les hommages se multiplient. Hommages royaux aussi, ils se multiplient d'une certaine manière. Après son intervention à la télévision hier soir, le roi Philippe est en ce moment à l'aéroport de Bruxelles National. Nous découvrons ces images en direct d'une réunion donc qui se tient avec différentes personnalités. Le couple royal est donc sur place. Là nous voyons différents responsables policiers dont je pense Catherine De Bolle, responsable de la police fédérale, des autorités judiciaires sans doute à droite de la table, mais difficile à cette distance de deviner exactement qui est là. On aperçoit au loin, ça c'est sur le Premier ministre Charles Michel. Je pense que la personne qui s'exprime en ce moment, c'est le responsable, le directeur de Brussels Airport. Voilà, donc ça se passe à l'intérieur avec les caméras, mais notre journaliste Adeline Bowen n'est pas très loin, elle est à l'extérieur de l'aéroport de Bruxelles National où il y a donc toujours ce périmètre de sécurité extrêmement important. Oui, tout à fait. Hein. Regardez, vous le voyez derrière moi, il y a toujours ce périmètre. C'était sur ce matin, quand nous sommes arrivés, qu'il y avait énormément de pression, de tension de la part des policiers. Il y avait beaucoup de trafic de personnes qui voulaient passer pour aller travailler et qui n'étaient pas au courant de ces mesures de sécurité. Alors tout à l'heure, ce dispositif a été aussi renforcé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a toujours l'hélicoptère, maintenant que le roi est ici, qui circule autour de nous. Alors oui, je sens que c'est difficile pour vous de le voir, mais donc ce dispositif a été renforcé par la présence de militaires supplémentaires, de policiers. On a vu plusieurs véhicules arriver à vive allure, traverser le barrage pour sécuriser les lieux pour la visite du roi. Et Adeline, effectivement, visite du roi, du couple royal qui est en ce moment à l'aéroport national. On a vu les images de cette réunion qui se tient à l'intérieur, puisque l'objectif de cette visite royale, eh bien, c'est de rendre hommage, de saluer à tout le moins le travail des forces de l'ordre, des forces de sécurité qui sont intervenues hier, quelques minutes après cette double explosion, cet attentat à l'aéroport de Bruxelles National.
On reviendra bien sûr sur cette visite dans quelques instants. Revenons aussi sur ces éléments au niveau de l'enquête très importants. Nous les avons brièvement déjà abordés avec Gérald Vandenberg. Le juge, le procureur fédéral s'est exprimé tout à l'heure. Nous allons l'entendre. Il a donné pas mal de détails sur l'enquête et sur les éléments déjà récoltés depuis hier. Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des attentats de l'aéroport de Bruxelles National à Zaventem et de la station de métro Maalbeek à Bruxelles, les premiers devoirs d'enquête ont permis de préciser les éléments suivants. En ce qui concerne l'attentat à l'aéroport de Bruxelles National, une première explosion a eu lieu le 22 mars 2016 à hauteur de la rangée 11 à 7h58, 28 secondes dans le hall des départs. Très rapidement, à 7h58, 37 secondes, une seconde explosion a été déclenchée à hauteur de la rangée 2. Une photo montrant les trois suspects a été diffusée. L'auteur au milieu de la photo, qui est l'un des deux kamikazes, a été identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit de Ibrahim El-Bakraoui, né à Bruxelles le 9 octobre 1986, de nationalité belge. Le second kamikaze, à gauche sur la photo, n'a pas encore été identifié. Le troisième suspect, vêtu d'une veste claire et portant un chapeau, est en fuite. Il a déposé un grand sac où il est parti avant les explosions. Son sac contenait la charge explosive la plus importante. Peu après l'arrivée du service de déminage de la Défense, ce sac a explosé en raison de la grande instabilité des explosifs. Heureusement, aucune personne n'a été blessée grâce au professionnalisme des intervenants. Cette troisième personne, toujours non identifiée, est activement recherchée. Après enquête, il est apparu qu'aucune arme de guerre ou de poing ayant pu appartenir aux auteurs n'a été trouvée à l'aéroport. Un chauffeur de taxi s'est présenté à la police pour déclarer avoir pris en charge trois personnes à Schaerbeek, au 4 rue Max Rose. Une perquisition a été effectuée à cette adresse et a permis de découvrir 15 kilos d'explosifs de type TATP, 150 litres d'acétone, 30 litres d'eau oxygénée, des détonateurs, une valise remplie de clous et de vis, ainsi que du matériel destiné à confectionner des engins explosifs, des bacs en plastique, des ustensiles divers, des ventilateurs. Deux autres perquisitions ont été effectuées rue Max Rose et se sont révélées négatives. Dans une poubelle de la même rue, les enquêteurs ont trouvé un ordinateur contenant le testament de Ibrahim El-Bakraoui, dans lequel il déclare, je cite, « être dans la précipitation, ne plus savoir quoi faire, être recherché de partout, ne plus être en sécurité, et que, s'il s'éternise, il risque de terminer à côté de lui dans une cellule. » Fin de citation. Une quatrième perquisition a été effectuée toujours à Schaerbeek hier dans la soirée. Une personne a été interpellée et est actuellement entendue par les enquêteurs. Une cinquième perquisition a aussi été faite à Arnhem où une personne a été interpellée puis libérée après audition approfondie. En ce qui concerne l'attentat dans la station de métro Maalbeek à Bruxelles, le métro visé quittait la station Maalbeek en direction de la station Arlois. L'explosion s'est produite à l'intérieur de la deuxième rame, alors que celle-ci était toujours dans la station. Le kamikaze a été identifié par ses empreintes. Il s'agit de Khalid El-Bakraoui, frère de Ibrahim, né à Bruxelles le 12 janvier 1989, de nationalité belge. Les deux terroristes décédés avaient de lourds antécédents judiciaires non liés au terrorisme. Les investigations de police technique et scientifique en compagnie de nombreux experts sont toujours en cours sur les différentes scènes de crime et se poursuivront encore durant de nombreuses heures, voire même plusieurs jours. Dans l'intérêt de l'enquête, il n'est pas souhaitable de donner plus d'informations actuellement. Le parquet fédéral comprend le besoin d'informations, mais ne communique uniquement que des informations vérifiées et des informations qui ne peuvent pas nuire à l'enquête. Nous déplorons, en l'état actuel, 270 blessés et 31 victimes décédées. Ce chiffre risque malheureusement d'encore évoluer dans les heures et les jours à venir.
toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs familles. C'était donc Frédéric Vanleu, le procureur fédéral, qui donnait tout à l'heure donc des précisions sur l'enquête. Gérald, en tout cas, on peut le dire, avec tous les éléments qui ont été donnés, l'enquête a déjà bien avancé. On en sait un peu plus sur le fil de la journée d'hier et ce qui s'est passé dans l'aéroport et dans le métro. Oui, il y a des éléments carrément nouveaux, comme celui de ce sac qui aurait appartenu au troisième terroriste, celui en blanc avec le chapeau sur la fameuse photo, et qui aurait été abandonné là, qui aurait explosé seul, d'après ce que dit le procureur un peu plus tard, sans que les démineurs n'interviennent réellement. Donc, si réellement, on peut se demander ce qui s'est passé exactement et pourquoi est-ce que ce sac a été abandonné là. Est-ce que, paradoxalement, on n'est pas passé devant à côté de quelque chose d'encore plus grave encore, puisqu'il oui, a explosé. Cette troisième bombe aurait pu exploser beaucoup plus tôt et faire peut-être encore davantage à la fois de dégâts et de victimes. Ça, c'est vraiment un des éléments clés qu'on peut retenir de cette déclaration. La deuxième, c'est on sait maintenant qu'il y a les deux frères qui sont concernés par ces attentats suicides, mais il reste encore pas mal d'inconnus. C'est-à-dire que sur cette fameuse photo, il y a toujours deux personnes qui ne sont pas identifiées, une à gauche, une à droite. Et là, toujours impossible de savoir s'ils ont été touchés à un moment ou à un autre dans les différents attentats ou s'ils sont enfouis pour le moment. Mais a priori, l'homme qui est à la gauche sur cette photo, si on peut peut-être la revoir, lui serait décédé en faisant déclenchant une charge explosive. Voilà, donc il resterait encore une personne à identifier. Et puis la troisième chose, c'est qu'on sait qu'il y aurait eu donc cet attentat kamikaze dans le métro de Malbaie, mais qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur la manière dont tout ça a été préparé et surtout si quelqu'un a coordonné l'ensemble de ces attaques, parce qu'il est clair qu'à Paris, on se souvient qu'il y avait ces GSM qui montraient qu'il y avait des coups de téléphone qui étaient passés vers Bruxelles au moment où les attentats se passaient. Donc on peut se poser la question de savoir qui, ici à Bruxelles, coordonner ces mêmes attaques. Voilà, c'est vrai qu'il y aura peut-être davantage d'éléments quand les enquêteurs auront mis la main donc, sur cet homme que nous voyons, l'une des personnes qui était donc là hier au moment des attaques, personne qui serait en fuite et dont les autorités judiciaires n'ont pas encore mentionné l'identité. Hier, dans cet aéroport, en tout cas juste après, quelques minutes après les attaques, les forces de secours, les services de secours et d'intervention sont rapidement intervenus, découvrant un reportage sur le travail de ces services hier, juste après les attentats. Dès que je suis sorti de là où j'étais caché, il y a deux personnes qui étaient à côté de notre stand. Et du coup, ils sont venus vers moi en me disant sauvez-nous. Il y a un monsieur qui coulait du sang partout sur la figure. Je l'ai pris et je l'ai rassuré aussi. Il y avait un vieillard qui était couché à terre, que j'ai soulevé aussi. Je l'ai conduit dans l'ascenseur. Il est parti dans l'ascenseur. Je l'ai mis dans l'ascenseur, mais il ne voulait pas me lâcher. Il me tenait à la main. Il ne voulait pas bouger. Donc, il me disait, non, ne nous laissez pas ici. Vous savez combien de personnes vous avez aidé? Maximum, quand même, j'ai aidé 7 personnes qui étaient blessées à terre, qui ne savaient pas bouger. Et la dame qui saignait des pieds. Je suis venu, j'ai fait un bandage au niveau du genou. J'ai immobilisé pour arrêter un peu l'hémorragie. Vous comprenez aujourd'hui comment on ne fuit pas dans ces circonstances-là? Comment vous êtes devenu le héros? Oui, tout à fait, parce que là, en fait, je me suis dit, si ma vie était aussi liée à ça, si je restais dedans, il y a d'autres personnes qui viendront me secourir. Voilà, témoignage d'une personne qui est venue en aide hier aux victimes de l'aéroport juste après les attentats. D'un aéroport à un autre, nous allons à présent à Charleroi, puisque certains vols normalement prévus à Bruxelles ont été déviés vers Charleroi. Il y a donc pas mal de monde, Marie Dessy, vous qui êtes sur place. Et puis tout à l'heure, il y a eu une alerte, un mouvement de panique, puisque vous avez aperçu des véhicules de déminage. Vous en savez plus à ce sujet ? Tout à fait. Ce que je peux vous dire, et c'est important, c'est que tout est terminé et qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Alors, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est qu'en fait, un chien, un maître chien, a trouvé un colis suspect, une voiture suspecte sur le parking des membres de personnel de l'aéroport qui se situe assez loin derrière moi. Alors, une équipe de déminage a été appelée sur place. Elle était entourée de gendarmes, de policiers qui ont sécurisé le parking. Et puis ensuite, après avoir analysé cette voiture, ils sont repartis, sont finalement
rien avoir trouvé. Alors l'explication qu'on nous a donnée au niveau de la direction de l'aéroport, c'est qu'en fait, une hôtesse de l'air, ce serait tout simplement avec son véhicule garé sur un GSM qui a pu être considéré comme un colis suspect, mais il s'agit donc d'un incident sans gravité. Voilà, bonne nouvelle, nouvelle rassurante de votre côté. Merci Marie Dessy. Voilà, il y aura encore des fausses alertes et des mouvements de panique qui vont se créer. C'est normal, l'atmosphère est relativement tendue après cette journée du 22 mars. Journée suite à laquelle il y a aussi beaucoup d'émotions qui règnent aux quatre coins du pays. Et beaucoup de monde, par exemple, place de la Bourse à Bruxelles, Laurence Brex, vous nous le confirmez, va et vient incessant et sans cesse ces témoignages de soutien, de solidarité. Absolument, vous le voyez à l'image, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui est réuni ici, place de la Bourse. Il y a des gens qui arrivent, qui restent un peu et puis qui s'en vont. Il y a des gens qui font des photos, qui chantent, on applaudit, voilà, on crie « Vive la Belgique !» Vous l'entendez, vous le voyez, c'est un moment très particulier qui est en train de se passer ici aujourd'hui. Alors Selma, vous avez absolument voulu nous parler, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Mais en fait, là on est plusieurs personnes de confession musulmane et on aimerait faire passer le message comme quoi la vraie religion islamique n'a rien à voir avec tous ces gens sans cœur et sans conscience qui tuent des victimes, qui tuent des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui se lèvent le matin pour aller travailler, pour aller à l'école et vivre leur routine et qui meurent comme ça sans raison. Et nous, c'est juste pour faire passer le message qu'on n'a rien à voir avec ça, que nous sommes les vrais musulmans et qu'on est vraiment contre ça. Et que Dieu prêche la paix et nulle part il a dit qu'il faut tuer des victimes, de pauvres personnes, des mères, des pères, des enfants. Et voilà, on est tous réunis ici pour montrer qu'on soutient tous et qu'on est belge et qu'on vit ici, qu'on est né ici. Et qu'on doit tous s'unir et main dans la main combattre tout ça et montrer que... qu'on est bien plus fort que tout ça. On vous sera évidemment très très ému. Pourquoi? Parce que ça vous touche, vous avez peur des conséquences des attentats d'hier pour vous? J'ai peur et ça me touche surtout parce que je me dis que j'aurais pu être dans ce tram, dans ce métro moi aussi. Les membres de ma famille auraient pu être dans ce métro, mes amis auraient pu être dans ce métro. C'est un matin, enfin j'aurais pu prendre ce métro et c'est un matin où tout le monde allait vivre juste leur routine et voilà, sans être au courant, mais maintenant ils sont morts, ils sont blessés, il y a des familles brisées et voilà donc... Est-ce que venir ici, ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous conforte, justement? Oui, bah oui, de voir tout ce monde, tous réunis, ça fait du bien. Et je pense qu'il faut être encore plus et qu'il faut montrer. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas faire ça juste aujourd'hui, juste demain, jusque dimanche. Il faut faire ça tous les jours et montrer qu'on n'a pas peur. Et que si on est tous ensemble, on va réussir à les battre. C'est pas, notre amour sera plus fort que leur arme. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ben, vous le voyez, hein, il y a de l'émotion, il y a de la joie, il y a des cris, il y a des larmes aussi parce que évidemment la situation est difficile. Et puis voilà, il y a des gens qui sont de confessions différentes et qui tiennent à nous faire passer des messages. Alors on est là, ici aujourd'hui, place de la Bourse, pour relayer tout ça. Vous le voyez, le monde vraiment très important qui est là. Il se passe quelque chose aujourd'hui à Bruxelles ici et on essaie de partager ça avec vous en ce moment. Bah oui, Laurence, merci beaucoup. C'est important de pouvoir en effet partager ces témoignages, de donner la parole aux citoyens qui se sentent tous d'une manière ou d'une autre touchés par ce qui se passe. Alors c'est vrai que les terroristes de l'État islamique commettent ces atrocités au nom de la religion, au nom de leur religion, et c'est ce qui engendre d'ailleurs pas mal d'amalgames aujourd'hui dans la société. Nous allons poursuivre cette conversation donc, sur ce rôle de l'État islamique avec Thomas Renard, notre spécialiste en terrorisme. Alors je ne peux pas ne pas revenir sur ce que vient de dire cette dame, la crainte des amalgames, c'est aussi peut-être ce que recherchent les terroristes de l'État islamique en commettant ces crimes. Mais on sait que leur objectif est à la fois de terroriser et de polariser les sociétés. Donc effectivement, ils sont à la fois en fait le résultat d'une pensée simpliste et simplificatrice, et ils essayent aussi de créer justement des polarisations simplificatrices autour notamment de la religion, autour des confessions religieuses. Et donc effectivement, on voit là que ça fait partie de leur stratégie, et c'est quelque chose effectivement qu'il faut absolument veiller à lutter dans notre réponse. Il faut faire attention à ne pas tomber dans les amalgames, et il faut effectivement véhiculer un discours autour de l'islam qui met en avant le fait qu'on ait en Belgique un islam modéré très, très majoritairement, et qu'il y a effectivement une marge, en marge, quelques individus qui sont effectivement à la fois radicaux au niveau de la religion, mais ça c'est une chose, mais en plus de ça radicaux et religieusement et dans leurs actions sociales et politiques. Pour revenir au côté plus...
plus stricte de l'enquête et sur les éléments qui ont été avancés. C'est assez surprenant quand on entend le procureur fédéral donner des détails maintenant extrêmement précis sur le déroulé des opérations menées par les terroristes hier. Mais c'est la preuve que l'enquête avance, donc ça c'est quand même quelque chose, on va dire, de positif. Donc on voit qu'on identifie quand même un certain nombre des individus responsables de ces attentats. On ne les a pas encore tous identifiés, ou en tout cas le parquet n'a pas encore communiqué sur l'identité de ces assaillants. Il y a encore quand même pas mal de zones d'ombre, mais effectivement d'un autre côté, il y a aussi pas mal de choses maintenant qui sont connues. Et déjà, une première chose où on a fondamentalement avancé par rapport à hier, c'est qu'on a confirmé à la fois la piste de l'État islamique, on s'en doutait très fortement, mais aussi on a confirmé le fait qu'on a là affaire à toujours à la cellule liée à Salah Abdeslam et à l'entourage de Salah Abdeslam. Il y avait un autre scénario qui était celui d'un attentat commis par une autre cellule qui n'avait rien à voir avec ça. Et effectivement, ici, on est plutôt toujours avec les frères El Bakraoui, potentiellement avec l'Achraoui, l'artificier, ça reste à confirmer effectivement, mais donc on a effectivement affaire toujours à l'entourage de Salah Abdeslam, et ça aussi, c'est un pas en avant dans l'enquête, puisque ça permet de se concentrer toujours sur la même cellule, où on imagine que les enquêteurs ont déjà depuis un certain temps quand même accumulé un certain nombre d'informations. Alors il y a aussi d'autres données intéressantes fournies par le procureur fédéral Frédéric Vanleu. S'il part de cette troisième bombe qui aurait explosé un peu de manière inappropriée, il y a quand même quelques ratés aussi dans les opérations de ces terroristes. On l'avait vu aussi à Paris, ça ne se passe pas toujours comme il le prévoyait. Non, mais disons que c'est effectivement, ce sont des opérations assez complexes. Alors maintenant, il faudra encore voir un peu quelle était l'intention de ce troisième individu et de cette valise. Un scénario probable, et qui je crois était évoqué dans le communiqué de presse, c'était celui d'une bombe, d'une troisième bombe qui exploserait en différé. Et ça, c'est une stratégie qui est utilisée assez régulièrement par les groupes terroristes, c'est-à-dire on a une première explosion, une première vague d'attentats avec les gens qui d'abord s'éloignent, ensuite reviennent, les secours arrivent, s'occupent des blessés, et à ce moment-là, deuxième détonation qui fait une deuxième sorte d'impact et qui psychologiquement aussi est particulièrement dramatique, puisqu'on touche à ce moment-là les gens qui sont venus aider, et puis avec cette impression aussi qu'on ne peut pas venir aider parce qu'il y a toujours ce risque d'attentat. Donc quelque part, c'est très fort psychologiquement. On peut imaginer que cette valise était destinée à ce genre d'attentat. Maintenant, la question est de savoir pourquoi elle n'a pas été détonnée. Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau du mélange? Est-ce qu'il y a eu un problème avec le détonateur? C'est une possibilité aussi. Et puis aussi, pourquoi est-ce que cet autre individu, à partir du moment où on était dans un scénario d'attentat kamikaze, pourquoi est-ce que certains optent pour le mode kamikaze et ici visiblement un individu qui opte pour un autre scénario? Est-ce que cet individu-là est peut-être l'artificier et qu'il est venu aussi contempler son travail, ou est-ce qu'on a affaire à quelque chose d'autre, un individu qui s'est rétracté? Il y a toute une série quand même de pistes encore sur la table, que j'imagine sur lesquelles les enquêteurs travaillent. Merci déjà en tout cas Thomas Renard pour ces premiers éléments d'analyse sur l'enquête. Une image forte à présent que nous allons regarder en direct près de l'aéroport de Bruxelles National. Il y a une visite royale en ce moment et il y a tout le personnel, en tout cas une grande partie du personnel de l'aéroport Adeline Bowin qui s'apprête à accueillir, en tout cas pour le départ, à accompagner le roi à sa sortie de l'aéroport. Oui, tout à fait. Regardez, on va la commenter ensemble. Donc, il y a les policiers. Adeline, on aimerait bien regarder et que vous puissiez nous commenter cette image forte avec nous. Voilà, on vous récupère. On peut peut-être voir cette image avec vous à présent. Oui, donc regardez, ils sont tous au niveau du barrage filtrant. Il y a les policiers, les militaires, la protection civile. Ils attendent la sortie du roi. Le roi, il est arrivé ici à l'aéroport de Zaventem il y a plus ou moins 25 minutes. On a vu qu'il était accompagné de Charles Michel aussi. Il est en train de rencontrer les secouristes qui ont travaillé toute la journée lors de l'opération. On entend encore aussi l'hélicoptère à présent qui continue à circuler autour de nous pour sécuriser la zone. Le roi qui a pris la parole hier lors de son discours à 19h où il a parlé d'attentats odieux et lâches, et il a voulu montrer son soutien, et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, pour apporter son soutien à toutes les équipes de secours. Ensuite, après cette visite, il devrait se rendre à l'hôpital militaire.
Merci Adeline Beaumont. Nous reviendrons donc au moment où le roi passera et pourra saluer donc toutes les personnes de l'aéroport qui se sont rassemblées non loin de là. Il y a aussi beaucoup d'agitation depuis ce matin du côté du 16 rue de la Loi, que ce soit au niveau du centre de crise, et puis il y avait eu aussi un comité ministériel restreint. Rachel Crivellaro, vous suivez tout ça, tout ce volet pour nous. Est-ce qu'il y a toujours prévu cet après-midi un Conseil national de sécurité? Est-ce qu'il va bien se réunir? Oui, tout à fait, Ophélie. Mais pour l'heure, dans le quartier de la rue de la Loi, c'est aussi l'heure de l'émotion et de la communion. Ainsi, sous les coups de 14h30, on a pu voir cette image étonnante. Tout le gouvernement flamand, emmené par son ministre-président, le NVA Guerbourgeois, passait ici devant le 16 et prendre la direction de la Bourse pour aller rejoindre les collègues, les autres ministres-présidents de la région Wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et fait notable, ce gouvernement flamand, eh bien, il était encadré par tous les représentants des cultes, des différents cultes de notre pays. Je vous le disais, l'heure est à l'émotion, au réconfort également. Charles Michel a quitté le cabinet de la rue de la Loi. Il accompagne le roi, Adeline Beaumont en a parlé. Ils sont à Zaventem pour le moment. Ils doivent se rendre ensuite à l'hôpital de Nedeborombeek, où sont traités les blessés les plus graves et où a été ouvert un centre d'information et un centre de crise. Et puis seulement sur les coups de 16 heures, nous dit-on, eh bien, se tiendra effectivement ce Conseil national de sécurité. On doit de toute façon attendre l'arrivée, le retour du Premier ministre, puisque vous le savez, c'est le Premier ministre qui préside le Conseil national de sécurité. Je vous rappelle, nous sommes en niveau 4. Le Conseil national de sécurité va donc prendre connaissance du nouveau rapport de l'OCAM, un rapport qui évolue d'heure en heure, de minute en minute, pourrions-nous dire. Et donc ça, il va encore falloir attendre 16 heures. Rendez-vous ici, rue de la Loi, pour ce Conseil national de sécurité et voir si quelque chose a changé depuis tout à l'heure. Vous le disiez, Rachel, on attend donc le retour du Premier ministre Charles Michel. Pour l'instant, il est avec le couple royal toujours à l'aéroport de Bruxelles National. Et ensuite, le couple royal, donc Philippe et Mathilde, se rendront à l'hôpital des Grands Brûlés de Nedeborombeek. On les attend sur place, Fiona Collienne. Oui, absolument. Un programme chargé pour le roi et la reine depuis ce matin. Ils ont visité une série d'endroits venus apporter leur soutien. Et ici, je peux vous dire que ça commence à s'agiter. Il y a énormément de journalistes derrière moi. Vous le voyez, ils sont devant l'entrée de cet hôpital militaire Reine Astrid. Alors, on sait déjà qu'on ne pourra probablement pas suivre le roi et la reine à l'intérieur. Ils vont aller parler avec toutes les équipes qui, depuis hier, sont extrêmement mobilisées. Ils devraient donc arriver d'une minute à l'autre. Et nous pourrons sans doute uniquement voir leur arrivée, les voir suivre. On demande d'ailleurs de ne pas rester ici, donc vous voyez la situation est véritablement en train de bouger. Un hôpital qui est aussi depuis une bonne heure maintenant un endroit très important pour les familles qui n'auraient pas encore de nouvelles d'une personne peut-être disparue dans les attaques. Vous saviez, jusqu'ici les gens devaient appeler plusieurs hôpitaux pour pouvoir avoir des nouvelles, essayer d'avoir des nouvelles, et là il y a maintenant un point central où ils pourront être à la fois reçus, entendus. Ça se passera aussi ici, un hôpital qui va donc être au cœur de l'actualité d'ici quelques minutes. On reviendra bien sûr à l'hôpital de Nedeborombeek au moment de l'arrivée du couple royal, bien sûr. Merci Fiona. D'autres témoignages aussi sur ce plateau pour cette édition spéciale avec Elisabeth Groutars. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à BX1, mais malheureusement hier vous étiez aussi au moment de l'attentat à la station de métro Malbec. Expliquez-nous exactement ce que vous avez vécu hier. Oui, tout à fait. Donc en fait je me rendais au boulot, hein, comme tous les matins. J'allais à BX1 et donc j'ai pris ce métro ligne 5. Je l'ai eu vraiment une extrémiste, donc je suis rentrée dans le dernier wagon et arrivée à Malbec juste au moment où j'étais en fait en train de préparer le plateau que j'allais sans doute faire à BX1, en train d'écrire qu'il y avait bien eu deux explosions à Zaventem. Ben là, il y a eu une forte déflagration. Je ne savais pas d'où elle provenait. J'avais l'impression que c'était devant, vraiment plus devant que le wagon juste devant nous. Et là, on s'est tous mis à terre. Il y a eu un mouvement. Ouais, le wagon a tremblé. Vous avez ressenti des secousses? Non, alors pas du tout. Le wagon n'a pas du tout tremblé. Les vitres du wagon ne se sont pas brisées. Par contre, on a senti la détonation, la déflagration qui a vraiment résonné dans tout notre corps. Et là, j'étais quand même bien consciente qu'on subissait un attentat.
Vous avez tout de suite fait le lien entre ce qui se passait, entre ce qui se passait à l'aéroport, puisque vous étiez en plus censé couvrir l'événement. Oui, j'ai vraiment tout de suite fait le lien. J'entendais des gens autour de moi qui en parlaient encore juste avant la déflagration. Et donc, on s'est vraiment tous mis à terre. On a vite remarqué qu'il y avait une forte fumée dans le wagon et qu'on avait du mal à respirer. Alors là, des gens ont pris vraiment les devants. On commençait à essayer de briser les vitres du wagon avec leurs chaussures. Ils n'y sont pas arrivés. Et là, il y a une personne qui a réussi à écarter deux portes du wagon. Et on a pu s'engouffrer vers le quai et sortir. Et là, j'ai vraiment réalisé qu'il s'agissait bien d'un attentat, qu'il y avait énormément de fumée, qu'on n'arrivait pas à respirer. Et qu'est-ce que vous avez vu au moment de quitter le wagon où vous étiez jusqu'à la sortie? Vous êtes passé devant le wagon où il y avait eu l'attentat? Alors, vu que c'était le dernier wagon et que le wagon qui a été touché, c'était le wagon juste devant, heureusement, je n'ai pas regardé vers la gauche et je ne suis pas sûre que j'aurais vu quelque chose tellement il y avait de la fumée. Par contre, j'ai été étonnée que la vitre devant la station était totalement brisée. Donc à mon avis, le souffle de l'explosion a vraiment touché tout le quai, peut-être le tunnel devant, mais n'a pas touché le wagon devant, celui qui s'est fait exploser, qui a explosé, ou le wagon derrière dans lequel j'étais. Si vous n'avez pas vu des choses, parce que c'est vrai, on le voit sur les images, il faisait extrêmement sombre, vous avez entendu des cris. Ce qu'on voit dans les images, ce qu'on retient, ce sont les cris. Vous avez entendu, vous avez vécu tout ça? Eh bien, d'abord, les gens sont restés extrêmement calmes. Je pense qu'ils étaient d'abord choqués de ce qui se passait. Ensuite, j'ai entendu une dame à côté de moi qui s'est mise à pleurer. Il y avait vraiment différentes réactions. Il y a ceux qui commencent à pleurer, à paniquer. Il y a ceux qui, comme moi, en fait, restaient en dessous des sièges de peur qu'il y ait quelqu'un qui se mette à tirer sur le quai. On ne savait jamais ce qui pouvait arriver. Et puis, il y a des personnes qui, elles, prenaient les devants. Ce qui m'a choquée, c'est quand même quand je suis sortie. Là, on s'est tous engouffrés dans une rue et là je suis restée avec tous les blessés dans la rue. Vous en avez aidé certains ? J'ai pas eu le temps d'aider certains. Enfin, j'ai d'abord pensé à appeler mes proches pour dire que j'allais bien. Puis j'ai vu que les secours arrivaient, ils sont quand même arrivés très rapidement et je me sentais complètement impuissante face à ce qui se passait. Vous voyez que c'était grave, il y avait des gens dans un état vraiment préoccupant. Oui, j'ai vu quelqu'un qui avait le visage complètement ensanglanté. Il était debout, il marchait, et il avait l'air d'être tout à fait conscient, mais il était tellement couvert dessus qu'on n'avait plus son visage. Et puis là, le réflexe journalistique est revenu, j'ai commencé à faire 2-3 photos de ce qui se passait et une personne, un policier a commencé à crier dégagez, dégagez. Et là il y a eu un vrai mouvement de panique, les gens ont cru qu'il se passait encore un attentat ou qu'il y avait quelqu'un peut-être qui était en train de tirer et une personne a bien voulu me faire rentrer chez elle pour être en sécurité. Comment vous l'avez vécu finalement avec un peu de recul? Vous dites il y a eu ce réflexe journalistique. C'est peut-être ça aussi qui vous a un peu aidé et finalement à ne pas mesurer toute la gravité des choses à ce moment-là, parce que j'imagine que le réveil ce matin, il était peut-être différent. Ah oui, complètement. Oui. Donc j'ai vraiment eu ce réflexe de me dire ok, je me mets dans la peau d'un journaliste, je commence à faire des photos, j'essaie d'être active, de servir à quelque chose pour ma rédaction. Et voilà, et au moment où quand même j'ai vu qu'il y avait un mouvement de panique, j'ai pris peur, l'humain a repris le dessus et je me suis réfugiée chez cette dame, et c'est clairement, je crois, cette distance que j'ai réussi à prendre qui aujourd'hui me sauve. Et c'est pour ça qu'après, j'ai encore été au boulot et j'ai assuré les plateaux, parce que j'avais besoin d'en parler, je pense, en plateau, et j'avais besoin d'être active et de servir à quelque chose plutôt que de suivre les nouvelles devant la télévision. Et quand vous êtes rentrée chez vous, justement, il s'est passé quoi? Là, il y a eu le choc, il y a eu ces images qui défilaient à la télé, et là, on n'est plus la journaliste, mais on est simplement l'être humain qui vient de vivre un drame. Ouais, ce qui est difficile, c'est que quand je suis rentrée chez moi, il y avait forcément toute ma famille qui était là et qui, eux, bizarrement, sont beaucoup plus choqués parce qu'ils pensent et si, avec les si, on refait le monde. Hein. Et donc voilà, donc là forcément, je me suis confrontée à ma famille et là, ça a été un peu plus difficile. Mais voilà, je pense que cette distance journalistique m'a vraiment permis de prendre justement la distance nécessaire pour ne pas être trop choquée. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Elisabeth Grutters. Je rappelle que vous êtes journaliste à BX1. Vous étiez donc hier dans la station métro Malbec au moment de l'attentat. Beaucoup de personnes donc ont été blessées, que ce soit à l'aéroport de Bruxelles National, mais aussi donc dans la station de métro Malbec. Des personnes qui ont été soignées sur place et puis qui ont ensuite été dispatchées dans différents hôpitaux. Et très rapidement, il y a eu aussi des appels aux dons de sang pour pouvoir fournir du sang en suffisance à toutes les victimes. Reportage de Michel Toussaint. En moins de 24 heures, la Croix-Rouge de Belgique a récolté autant de sang que durant 2 jours habituels, au point qu'il a fallu filtrer en privilégiant les rhésus négatifs.
Au centre de transfusion de la Croix-Rouge de Mons, on a géré énormément de monde hier. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'emprise sur les événements et le plus petit geste qu'on puisse faire, ben voilà, c'est celui-là et je trouvais ça important. Ici, à Atherton, en province de Luxembourg, cette jeune dame a tenu à faire la démarche pour la première fois. On a des amis à Bruxelles et donc j'ai voulu venir. Première fois, hyper stressant, mais voilà. Je pense qu'on doit faire ce qu'on peut à notre niveau, même si on est loin de Bruxelles, même si on est loin de tout ça. Hier, l'appel avait été lancé essentiellement aux donneurs O négatifs, car ce sont les réserves qui s'épuisent en premier lieu. En cas d'urgence, quand les hôpitaux se trouvent devant des victimes dont ils ne connaissent pas le groupe sanguin et qui doivent agir rapidement et dans l'urgence, on leur transfuse du O négatif, parce que ce groupe peut être transfusé à n'importe qui sans avoir de complications et de risques. 1800 personnes se sont portées volontaires à Bruxelles et en Wallonie sur la journée de mardi. Ce matin, il y avait encore beaucoup de monde au centre de transfusion de Namur, par exemple. Il faut savoir que tous les jours, il faut récolter 800 poches pour répondre à la demande habituelle. Avec 1800 poches récoltées hier, les réserves sont reconstituées. On a fait face à l'urgence hier au moment des événements de Bruxelles, juste dans les heures qui ont suivi. On a fait appel au O négatif pour pouvoir faire justement face à cette urgence. Et maintenant, les gens peuvent venir non plus dans l'urgence, mais dans les semaines qui viennent à leur collecte habituelle. Et ceux qui veulent marquer leur solidarité, c'est le meilleur moyen de le faire. Le sang se conserve pendant 42 jours, d'où l'importance de fidéliser les donneurs. La solidarité qui a bien fonctionné donc avec ces dons de sang en masse hier, juste après les attentats. Ces attentats qui ont perturbé notre vie hier, ça continue aujourd'hui. Il y aura encore sans doute des conséquences dans les jours à venir, avec parfois des conséquences un peu moins inattendues. Au niveau sportif notamment, il y a ce niveau de menace de niveau 4, le niveau maximal. Alors Kevin Papen, les entraînements prévus des Diables Rouges ont été suspendus, c'est normal, il devait avoir lieu au stade Roi-Baudouin. Et puis il y a ce match amical prévu la semaine prochaine, annulé, et puis finalement il sera maintenu, mais dans d'autres circonstances. Oui, on va revenir un petit peu dans l'ordre sur ces événements au niveau du sport et des Diables Rouges. Une information donc, qui concerne ce match amical face au Portugal. Dans un premier temps, vers midi, on a parlé d'annulation. Exactement. Maintenant, on peut le confirmer, il est bien maintenu ce match et il se jouera au Portugal, à Leira, exactement le même jour, mardi prochain, à 20h45. Les joueurs, les Diables Rouges, se sont rassemblés aujourd'hui pour la toute première fois, c'était vers midi, à leur hôtel. L'entraînement avait été annulé hier. Aujourd'hui, pour la première fois, ils vont s'entraîner. Ce sera aux alentours de 16h30, au stade de Roi-Baudouin. Exactement, il faut le préciser, l'entraînement ne sera pas accessible ni aux supporters, ni aux médias, donc niveau de sécurité très élevé aussi pour les entraînements. Et à 18h30, l'entraîneur fédéral, Mark Wilmots, donnera un premier point presse au siège de l'Union Belge. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, Mark Wilmots avait dit que c'est hors de question de jouer ce match au Portugal. Peut-être aussi est-ce un geste par rapport à ce qui s'est passé. On ne sait pas encore donc avec précision pourquoi ce changement d'attitude. On ne le connaît pas encore, on ne connaît pas encore la raison très précisément. Il faut se souvenir aussi que lors des attentats de Paris en novembre dernier, il y a un match qui avait été annulé, exactement, juste après la confrontation face à l'Italie. Le match face à l'Espagne, après les attentats de Paris, avait été annulé et ça devait se dérouler aussi au stade Roi-Baudouin. Alors d'autres conséquences aussi au niveau du cyclisme, puisqu'il y a une course qui se dispute aujourd'hui, la course à travers les Flandres. Est-ce qu'elle a pu se dérouler normalement? Alors là aussi, hier on a parlé d'annulation, ça a été longuement disputé, puis vers 17h hier, on a eu la confirmation que cette course était maintenue. Les coureurs ont pu prendre le départ aujourd'hui vers 11h50. Il y a d'ailleurs eu une minute de silence observée, vous le voyez sur ces images, dans ce peloton, beaucoup de coureurs qui évidemment n'avaient pas forcément à cœur de rouler. Certains directeurs sportifs ont permis à certains coureurs de faire le choix de rouler ou pas. Certaines équipes ont même eu des dérogations de la part des organisateurs. Normalement, eh bien, il y a des équipes composées de 7-8 coureurs. Ici, nous avons des équipes composées de 4 coureurs qui prennent donc le départ de cette semi-classique flandrienne. Départ à Roulers, arrivé à Waregem, 200 km. Donc, c'est la première semi-classique flandrienne. Un rendez-vous très populaire, évidemment, qui draine énormément de monde. Et ce sera le cas lors des prochaine course aussi dans les Flandres, jusqu'au Tour des Flandres dans une dizaine de jours. Et donc les coureurs, vous le voyez, ont observé une minute de silence en hommage à toutes ces victimes des attentats de Bruxelles ce matin. Bon, merci Kevin Papen pour ces précisions sportives, avec donc un agenda quelque peu bousculé, mais je rappelle donc l'information capitale, le match des Diables Rouges prévu la semaine prochaine sera bien joué, mais pas au stade Roi-Baudouin comme prévu, mais bien au Portugal. C'est donc bien sûr une conséquence